Hamina-san, ici Shin Bubblegum, j'espère que vous allez tous bien. Moi ça va très bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'ouverture, de calendrier de l'Avent sur les tops Pokémon du premier film Mewtwo contre-attaque. Et aujourd'hui, comme j'ai dit hier, on va aller chercher un booster tout en dessous. Voilà. Hop, on va prendre celui-ci. Allez, hop. Celui-ci, bon c'était pas tout en dessous, mais voilà, on a quand même été chercher plus bas que d'habitude. Et bon, je ne vais pas vous répéter à chaque fois ce que signifie ce calendrier de l'Avent. Le jour où on s'ouvre un booster et le dernier jour, on s'ouvrira 6 boosters. Voilà, on va s'ouvrir ça tout de suite avec les petits ciseaux pour pas casser les boosters. Je ne sais pas ce que je vais en faire avec tous ces boosters vides, mais en tout cas, voilà. On commence, Peacemaker Pikachu, déjà une double. C'est dommage, mais bon. Pour ceux qui veulent savoir, tous les doubles seront à l'échange ou à la vente par après. Ça reste à voir. Ensuite, celle-ci, c'est... Bah, c'était déjà à l'envers. Mew times 2. Le double de Mew. De Meowth, pardon. Qu'on avait déjà également dans la précédente ouverture. Hop. Ensuite, on a une petite planche de stickers que nous n'avions pas encore. Alors, est-ce que ça va être un morceau du puzzle de Sacha ou de Mewtwo? Ah, c'est un morceau de puzzle de Sacha. Alors, on a sa main qui tient une Pokéball... comme ça. Comme ça? Je sais pas trop. En tout cas, petit papillusion juste ici. On va mettre ça comme ça, ici. Ensuite, on a l'holographique avec le petit petit Pikachu ici, petit Florizarre. Non, pas Florizarre. Oh, j'en perds mes mots. Carapuce et... Je sais plus. J'ai un trou de mémoire. C'est horrible. Je le connais en japonais. Je suis fouchigué d'année. Mais non, je sais plus. En tout cas, elle est holographique et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Voilà, super belle. Ensuite, on a la numéro 1 qui est Bulbizarre. Bulbizarre ! Merci. Dieu m'a entendu, j'avais besoin de savoir son nom, c'est Bulbizarre. Hop, petit Bulbizarre qu'on avait. Non, on a eu le Air Bizarre en holographique il y a 2 jours. Mais là, ce petit Bulbizarre au KLM qui est super classe. Ensuite, on a The Chase for Pikachu qu'on a déjà eu également. Hop. On va le mettre ici. Attends, on va mettre la holo ici et on va mettre celle-ci ici. Ensuite, The Battle Renewed. On l'a également déjà eu dans la première ouverture. On commence à voir des doubles. Pas mal de doubles. Ensuite, Battle Before Lunch. Ah, celle-là, on n'avait pas encore eu. Ça fait plaisir d'avoir une nouvelle carte. Battle Before Lunch qui fait plaisir. Alors, ça se passe avant également. Qui reçoivent le, la lettre pour rencontrer Mewtwo. Voilà. On va mettre celle-là ici. Ça, c'est que des doubles. Là. Alors voici le bilan d'aujourd'hui, la carte que je préfère, j'adore hein. Bulbizarre, j'adore. Ensuite le puzzle, j'ai vraiment hâte d'avoir tous les morceaux pour pouvoir vous montrer le complet. De toute façon, comme je vous ai dit, à la fin de l'ouverture de cette display, je vous ferai un topo de toutes les cartes que j'ai eues, de celles qui me manquent et de celles qui ne me manquent pas, des puzzles que j'ai au complet. Et de tous les doubles qui seront à donner, à vendre, à échanger, je n'en sais encore rien. Mais en tout cas, n'hésitez pas encore une fois à me dire quelle est votre carte favorite. C'est celle-ci, évidemment, même si l'holographique est magnifique, je préfère celle-ci. Même si c'est le même Pokémon, je préfère celle-ci. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé également ce jour. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros like, ça fait toujours plaisir à partager, à vous abonner, laissez-moi un petit commentaire. Et je vous dis à demain pour de prochaines ouvertures. Merci, je vous fais de gros bisous. Bye bye!